Vamos receber Stefan Bonnaire. Atenção para a apresentação. L'Américain Stefan Bonnaire qui vient de faire son entrée sur le ring. Bonne technique de karatéka, mais qui excelle aussi au sol. Donc on va voir le travail qu'il nous offre face à Bonnaire. Allez, c'est parti pour le premier. Ah, et l'entrée en genou. Ça va. Avance. Machida qui est gaucher, hein, avec la jambe droite et point droit devant. Pas toujours évident pour les adversaires qui n'ont pas l'habitude d'avoir des sparring partners gauchers. Sens de l'esquive, qui place ses jambes. Et il a une belle forme. Hein. Gauche-droite, ouais. Retrait. Stéphane Bonnaire qui pour l'instant ne sait pas trop par où. Oh, bel engagement de la hanche. Ouais. Contre, gauche-droite. Ouais, et puis il faut dire que l'Américain n'a pas été fin. Il a fait un énorme appel pour son gauche. Low kick intérieur, jambe avant. Belles esquives du buste aussi encore pour Machida qui passe à côté. Au gauche, enfin, ouais, ouais, quel appel. Ouais, c'est énorme. C'est le coup de téléphone. Là. Et ça, c'est un indice. Hein. Pascal, je ne pense pas que vous allez me contredire. Comme quoi, Stéphane Bonnaire, de toute façon, va manquer d'expérience face à Ryoto Machida. Il y a effectivement un manque d'expérience, mais surtout déjà des fautes techniques. Oh, le contre, oh, Machida. Ouais. Bien que le danger n'existe pas, hein, en combat debout, car il ne cherche même pas à aller au sol pour essayer de tester son jiu-jitsu brésilien. Puis regarde sa garde, elle est mixte. Demandez dans quelle galère il s'est mis là. Oh là là, la rapidité. Cette petite droite très sèche, très courte. Machida. Donc le Bonnaire sonne maintenant de deux endroits différents. On aborder le travail au contact, voire au sol. Je vois pas pourquoi Machida irait au sol, vu qu'il est en train de se régaler debout. Et quant à Bonnaire, une opération salvatrice, mais a-t-il les bagages pour aller au sol? Là encore, c'est la question. Et les hommes de coin qui sentent bien que leur combattant part un peu à la dérive. Une petite hémorragie au nez. KO, bah oui, effectivement. Pour lui, la solution, ce serait d'abréger le combat. Mais trouver le KO face à Machida, qui est beaucoup plus rapide et qui a montré des qualités de précision, d'anticipation et d'esquive, je reste très perplexe quant à ses conseils. Travailler au sol, mais non, pour l'instant, comme vous le disiez, eh bien, son kickboxing lui suffit. Que Stéphane Bonnaire, et pourtant il le domine complètement. Oh là là. Oh, il est explosé maintenant de l'autre côté. Ah, ça y est, là il a bien égalisé le maquillage. Terrible, hein, les deux pommettes sont explosées. Au milieu, ça saigne aussi. Et puis la pommette droite qui est. Si elle ne peut pas se refermer, eh ben, on n'ira pas au combat. Et eh ben voilà. Il est déçu Bonnaire, mais c'est quand même préférable. Il est nécessaire de protéger la santé de ses combattants. Car c'est certain. Très belle victoire et on est content d'avoir découvert avec vous Ryoto Machida.